Macle 85 de retour pour la suite des aventures de notre dresseur sur Pokémon Platine. Dresseur Pokémon, bien sûr. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en off. Voilà. Donc, là, la souris dégage. Alors, déjà, donc Lixie est tourné niveau 11. Ils ont rien appris de nouveau. Non, ils ont rien appris. Et un rose bouton, comme je l'avais dit. Je savais pas si je le prenais, et puis au final, je l'ai pris. J'hésitais. Bon, voilà, maintenant, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, rose bouton, je l'ai été niveau 3, je l'ai monté niveau 10. Ce qui m'a pris une heure. Donc, voilà, ça m'a. Voilà, c'est un petit peu chiant, mais bon. Voilà, c'est pour m'amuser. Voilà, et Tortipouce bien sûr. Et Rose Bouton, donc au départ, il avait que Volvi. Ensuite, il a pris Croissance. Là, avant que j'arrête, il a pris Parasport, un mode d'attaque, mais que je m'en fous totalement. Et au milieu, il a pris l'attaque la plus puissante du monde. Attention. Vraiment, mais tout le monde la veut cette attaque. C'est Tourniquet. Tourniquet. Tout à fait, Tourniquet. Mais l'attaque, ça m'a dégoûté. J'ai que une seule attaque, elle est pas très puissante. Donc voilà, donc je suis d'accord. En plus, il m'arrive un truc de malade. J'ai oublié de sauvegarder avant ma... Enfin, quand j'ai arrêté ma vidéo, ben, j'ai oublié de sauvegarder. Et oui, et qu'est-ce que ça m'a fait? Eh ben, la chose la plus débile au monde. J'ai dû tout recommencer, quoi. J'ai dû recommencer de félicité. Enfin, de l'endroit où j'étais au dernier épisode. Sur la croix, justement. Toi, tu me donnes rien, toi. Désolé pour le son, il bug un peu. Alors, laisse-moi te faire de cette capsule secrète. Cadeau de cette capsule secrète. Oh, ma première CS. La CS utile au départ qui servira à rien à la fin. Si, si, elle sert pour la route Pokémon. La route. Je sais même plus dans la route, pas grave. Laisse le dresseur. Mais le dresseur doit avoir le badge de Sherbourg, tu n'as pas ce badge, les Pokémon ne peuvent aussi ACS en dehors de ce combat. Hop là, bon ben premier combat dans une caverne. J'ai mis Rose plutôt devant parce qu'il y a des racailloux. Racailloux. Voilà, puisque c'est un type. Puisque c'est un type proche, très puissant, donc ça va être plus facile pour le up. Donc là on va partir pour la mine ensuite. Mine de Charbourg. Bon, ça donne pas beaucoup. Ah oui, alors attendez. Non, 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 non. Putain, je déteste toi, je voulais pas te prendre maintenant. Pas content. Oh ben voilà, voilà. Alors, Pokémon, s'il vous plaît. Ce bouton est tout mis, Lixie. Tu veux attaquer toi hein. C'est qu'il fait même le petit coquin. Ah non, j'ai rien dit en fait, c'est qu'il avait déjà perdu des vies. D'ailleurs pourquoi ah oui, je l'ai XP. Mais non. J'ai pas dû faire gaffe du critique alors. Il est fini le. Il doit finir avant. Non, c'est bon. Lixie, on change de Pokémon. Rose bouton, à toi de jouer. Je
c'est compliqué, punaise. Voilà, vous voyez, j'ai bien fait vraiment de prendre de l'avance sur l'XP. Hein. Parce que en plus, voilà, hein, je fais déjà des niveaux difficiles contre des trucs compliqués. Non, contre des trucs faciles, donc c'est en fait que je gagne difficilement d'expérience. Hop, 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 hop. Yes! 11. Bon, il va rien apprendre, hein, parce qu'il a pris au niveau 10 par rapport. Ah, ça me fait chier d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il a pris une petite attaque. Fait magique. Ça, c'est Cruzelia. Alors, t'as bien pris cher. Le son de la grotte bug un peu. Hein. Bon, on va mettre tourmi. Attends, j'ai pas vu 228, punaise. Chaud devant. Tortipouche lui le prend dans l'arène. Normalement il est voulu aussi. J'ai bien fait. Ouh, il fait bien gagner là par contre. Alors, cruel. Ah oui, et aussi je pense, hein, pour vous annoncer aussi que ben, je vais repartir dans Minecraft. Je vais me lancer dans une nouvelle série, j'en dis pas plus. Parce que voilà, ça sera une petite surprise. Je suis assez content de ce que j'ai trouvé, enfin, de ce que je vais faire. Enfin, après, je sais pas si ça va être bien. Mais voilà quoi, je suis content de ce que je vais faire. Donc voilà, merci, ce sera sympa si vous me suivez aussi sur Minecraft. Allez, sortons. Je vais peut-être tu prendras un caillou, pas grave, les 4 rocs ça pourra attendre. Bon alors lui il va me donner les tu badges, si j'ai bon souvenir. Tu n'as encore aucun badge. Tu fais mieux d'y remédier et vite viens, je t'amène à arrêter Pokémon. Ah non, j'ai rien dit. Je l'ai déjà les tu badges. Je suis pour les badges. Salut Exo. Enzo. Hein? Oh c'est toi McLean, enfin j'ai failli attendre. Tu traînes comme toujours, bien sûr, c'est mon magique XP par rapport à toi. Bref, le champion d'arène, c'est un Corias de chez Corias. Je me demande comment il s'en sortirait s'il affronterait mon père. Hein, oh, je m'égare. Bon, le champion d'arène est parti à la mine. Alors, si tu as l'intention de le défier, tu ferais bien d'y aller. Quel chien ce mec, il sait très bien qu'il va le défier avant moi. Alors, donc, présentation de la ville rapidement. Reine Pokémon, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Les maisons, normal, voilà. Donc boutique ici. Je suis présente parce que là il y a quelque chose en. Hop là, donc là c'est son Pokémon que j'y vais. Ah, le zone du bug est ouverte. Bah, je vais y aller pour récupérer l'objet. Même si je sais que je l'utiliserai jamais. On descend. Voilà, il y en a une qui va. Oh bonjour, par ici s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, une renaissance, je m'appelle Satya. Je serai votre équipe pour le club aussi. Je dois d'abord vous donner ça. Ah, le registre ami. C'est ça. Ça j'ai tous les objets rares. Et compris. C'est bon. J'espère que vous vous amusez. Voilà, donc ça, ça sert plus quand vous êtes sur la DS et vous pouvez connecter à Internet. Moi, je peux, mais bon, faut que j'ai un câble Internet. Là, je suis un Wi-Fi, donc ça sert à rien. Voilà, donc on continue. Alors, en haut, ici, c'est pour s'amuser. Mais pas seulement. Ici, on peut vous défossiliser, enfin, on peut vous faire apparaître le Pokémon d'un fossile. Qui vient d'un fossile. Je présente, mais bon, je suis sûr que vous connaissez tous, mais bon, voilà. Au cas où. Et ici, non, il fait rien. La mine en bas. Voilà, donc je vais faire une petite visite parce que je sais qu'il y a plein d'objets. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs. Machoc. Alors attendez. Voilà, et Kaker. Je sais très bien que quand je clique sur la pile, il me semble qu'il y a quelque chose aussi. Ça, c'est une poussière étoile normalement. Ils sont jaunes, d'accord, pour ça, étoile il est là. Regardez.
Hop là. Ah non mais d'accord. Il y avait une poussière étoile ici avant. Non. C'est pas là. Ah, je suis pas con, je sais très bien qu'il y a une poussière étoile ici. Au moins voilà, ça me fait 4 objets. Gratuit, la perle, ça c'est à vendre. Bah c'est bien de sous les trucs comme ça, parce que de temps en temps il peut y avoir un objet caché. Et quand vous passez, vous allez cogner dans quelque chose. Vérification. Ici, ici. Après j'aurai un cherche objet pour me trouver. Je suis en récit par contre parce que je sais qu'ici il y a des objets de partout. Bon ben descendons. Ah, si je sais qu'il y a plein de matchoc. Oula le bug, le gros bug. Coucou chinois. Alors je sais pas ce qui se passe avec le son. Mine de charbon. Vraiment c'est bien sorti. Putain. Je sais pas qui prendre. Ça va être chaud de battre lui. Je pense qu'il sert à rien. On va voir que c'est un Pokémon sauvage. En plus, il sert à rien dans ce bout pour ce Pokémon. C'est un type proche. Attaque éclair, ça sert à rien. Contre eux. Oh la puissance. Le coup critique. Hop là, 73 points d'expérience. C'est toujours ça. Ça fait plaisir. Alors. Oh punaise. Ça par contre c'est gavé de monstres ici, je déteste ça. Bon, j'ai fait ma première fuite. J'ai dû faire une d'ailleurs, mais c'était pas fait exprès. Là j'ai fait ma première fuite voulu. Parce que sinon j'y suis pas rendu. Attendez, je vais tenter un truc. Allez, je vais faire plaisir. Je sais qu'il y a des Onyx par ici. Ah non, je pensais qu'il y aura un Ossorti qui serait apparu. Là j'aurais été dégoûté. Mais non, c'est bon. Nouvelle attaque, tranche herbe. Allez, c'est parti. Pardon. J'ai de chance pour vous dire tous les mineurs qui sont là je peux les combattre et donc j'ai tous faire des combats contre eux pour voilà pour XP et Pokémon c'est la moindre des choses. Par contre eux, ils ont des Pokémon de type roche de type combat pardon, ils ont peut-être des Onyx. Par contre aussi j'éviterai de prendre des Pokémon, voilà pour mes combats. J'éviterai de prendre des Pokémon qui évoluent par par échange. Parce que je pourrais pas le faire. Eh putain. C'est obligé ça. Voilà. Donc ça aussi c'est pour vous. Voilà, donc chez tous les combats, c'est pour vous rappeler voilà, qu'il faut vraiment faire le maximum de combats. Si vous pouvez les éviter, évitez les pas. De toute façon on verrait ça dans l'arène, hein, je vous montrerai l'exemple. Parfait. Faut surtout pas tenter d'éviter les combats, il faut les faire. Si vous les faites pas, ça sera de la perte d'expérience parce qu'ensuite quand vous viendrez, ils voudront plus vous combattre. Putain, j'ai rien du tout. J'ai envie d'éteindre une vivette. Putain,
tester une fusée d'attaque. Non. Tant pas faire de temps. Je sais qu'il y en a qui a un match choc. Comme par hasard. Ouais, non. Je prends cher. Putain. Oulala. Je tente vieux attaque. J'ai rien à l'enlever. Ouais putain, j'enlève qu'un HP. Mur, ça va être encore pire. Bon ben on va changer Pokémon. Rose bouton, à toi de jouer. Montre-nous ta puissance. En fait j'ai rien dit. Les dresseurs eux-mêmes sont des bidons. Sauf moi bien sûr. Hop là. Pas de vie. C'est parfait. Le 12, c'est pas maintenant qu'il va évoluer. Et bon, ça fait plaisir. La petite popo. Il n'y en a qu'un seul. Le champion de l'arène. Oh, j'aurais peut-être le temps de le faire maintenant. C'est-à-dire moi. Est-ce que je ferai une petite session minage aussi? Oui, une petite session minage. Descendre dans les profondeurs de Pokémon de Sinnoh. Et je trouvais ça pas mal. Ah, c'est Explo souterrain, un truc comme ça. Je sais plus le nom parfait. Mais je trouve vraiment pas mal de Pokémon. Là, je suis deux Pokémon. Rose bouton, à toi de jouer. Je déteste les rotes. Vous pouvez faire plein de pas, vous pouvez en obtenir avoir aucun Pokémon, quand vous pouvez faire à chaque fois un pas et boum vous en tombez sur contre un. C'est pas très. Ouais. C'est chiant les grottes, c'est chiant, c'est tout ce que je peux dire. Oh le os, le os. Comment que les os. Oh bah alors c'est lui qui a un X alors. Non il a un match choc, voilà. Je sais bien qu'il y en avait un qui avait un match choc. Mais Tommy, à toi de jouer. Je me rappelais des Pokémon qu'avait notre cher champion. Je m'en rappelle. Alors, un qui est assez puissant. Il fait mal. Heureusement, en fait j'ai bien fait de prendre un autre Pokémon de type plante. Comme ça, s'il y en a un qui meurt, l'autre pourra faire l'affaire. Pardon. Hop là, corps de sortie. C'est ce qui va me sauver la mise, sauf que je vais pas utiliser. Il y a des grottes plus importantes. Par contre, j'ai utilisé un objet que j'ai obtenu tout à l'heure. Non, c'est dans objet. Là, cet objet que je t'aime. 50 pas, ok. J'aurais peut-être dû mettre ma Pokémon pour savoir combien de pas j'étais. Je vais vite les bouffer, je sens les 50 pas. Avec ma télécommande. Voilà, ça je l'avais dit, le petit bug. Je l'ai monté au final. Vive le repousse. Oh non, la petite fille, elle veut donner quelque chose normalement. Bon, ça va ici maintenant. Je sais que je peux. Mais dans la mine de charbon, mine leur Pokémon avec eux. Tu risques le défi à tout instant. Ah, tout à l'heure, je suis tombé. Ah, d'accord. Donc là, voilà. Je l'avais dit. Il s'est dissipé. Je te promets. Non. Je vous promets, s'il y en a qui apparaissait. Putain, ça fait déjà 20 minutes. On va rentrer dans l'arène. Faire les quelques combats et je vous laisserai devant le champion d'arène. Vous allez être content.
Pardon, je vais faire un truc avant. Ça m'a l'air très suspicieux tout ça. Mais bon. Eh bien, rentrons dans l'arène, mes chers. Rentre, j'ai dit. C'est parti. Il me donne une bouteille d'eau fraîche. Mais non, c'est pas dans cette version. De rien, merci à toi. Alors, donc, voilà. Vous voyez, dans cette arène, la toute première, c'est tout le temps comme ça. Vous pouvez éviter les combats si vous êtes impatient. Mais moi, je ne le suis pas. Et en plus, c'est très bien que ça vous fait un petit peu chier. Donc, voilà, on fait les combats. En plus, c'est de l'XP facile, gratuit. Pour ça qu'il faut en profiter. Non, c'est pas tant parce que je voulais mettre en premier. C'est parti. Normalement, ça va être vite fait, bien fait. Pokémon de type proche ici dans cette arène pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est dit. Là, vous voyez, la perfection. Ta boule à mur ne servira à rien, mon petit gars. Et c'est fini pour toi. De toute façon, c'est la seule tête que j'ai volée. Hein. Il faut 11. Vous avez vu, là, c'est juste. Hein. C'est juste, juste. Et pourtant, je les expéais à devant le faire. Enfin, heureusement, c'est un bon moyen de gagner de l'expérience. Donc voilà, vous voyez, niveau 11, vous imaginez le champion, parce que le champion, ils sont plus HL. Hein. L'autre, c'est un Onyx. On garde mon petit rose bouton. Ah non, c'est un caillou. Je crois que c'est un Onyx. Ah non, l'Onyx, c'est le champion qu'il a. Et un petit Cranidos qui fait bien mal. Ouh, on voit vraiment qu'il a monté d'un niveau, hein. Il est un peu plus puissant. Malheureusement, c'est pas assez pour le hausse. T'as intérêt à le hausse par contre. T'as intérêt à up pour que tu puisses hausse. Mais non. Pas grave. Allez. Ah, il y a deux Pokémon, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que je les garde pour continuer le combat? Je l'avais dit, je savais bien qu'il avait un Onyx celui-là. Un Onyx, pardon. Meurs. Ah, plus résistant. Bon, j'ai récupéré une vie, jet de pierre. On recommence. Vie. Volvic. Oh, ouais, j'ai appelé comme ça. Volvic. Après, c'est que j'aurais méga sensu, donc ça marchera pas. Oh, c'est pas grave, Volvic. Ça le fait. 200 points d'expérience, assez pour up. Niveau 13. Quand je... Mais pourquoi je l'ai dit? Oula, j'ai une paire d'FPS. Oh la blague. Donc, en bas, je vais oublier malheureusement Volvi. Vous pourrez me dire, je peux oublier une attaque qui me sert à rien, mais le problème c'est que avoir Volvi et Mega Sensu, ça sert strictement à rien. Parce que c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus puissant, Mega Sensu. Mais c'est parfait tout ça. J'aime Ionic, c'est pour ça. Il donne tellement ces Pokémon. Hop là, ah, c'est pas d'évolution. Et eh ben, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Ah, 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 ah. 14, 13, 12. Ah, attendez, je vais pas le cacher. Hop là, il est sur mes épaules. Après, ce sera moi qui sera sur ses épaules tellement que je serai puissant. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, mettez un petit pouce vert pour notre dresseur pour que ça lui donne envie de combattre ce champion de reine. Et puis et bah, si même ça vous tente, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut.